moment, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul et j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. En premier lieu, je vais vous montrer donc les produits beauté des promos beauté de chez Leclerc qui ont commencé depuis le 11 septembre et qui vont se terminer le 22. Alors c'est pas les grosses promos, il n'y a pas énormément de produits, mais on peut y retrouver quelques petites nouveautés au niveau make-up et ça c'est pas négligeable. Et je vais vous montrer donc ce que j'ai retrouvé, ce que j'ai acheté. Ensuite je vais vous montrer quelques nouveautés aussi au niveau de chez Lidl et quelques petits produits pour finir qu'on a acheté sur Amazon. Voilà, donc si tu veux voir tout ça, eh bien je te laisse avec la suite. On va commencer par la promo beauté de chez Leclerc, donc qui se termine le 22, et j'ai fait quelques petits achats. Alors j'ai pas acheté énormément, tout simplement pourquoi, parce que la dernière promo qu'il y a eu, j'ai fait mon stock, et c'est vrai qu'à ce moment là je pense que je ne suis pas la seule à faire mon petit stock, puisque c'est vraiment des prix attractifs et que c'est beaucoup plus économique. Cette fois-ci, j'ai pas acheté grand chose, pourtant il y avait pas mal de petits produits super intéressants, mais pour cette fois-ci je trouve qu'ils n'avaient pas mis énormément de gel douche ni de shampoing. Ils se sont vraiment ciblés sur le make-up, et sur le make-up ils ont mis uniquement L'Oréal, Bourjois et Revlon. Il n'y avait pas autre chose. Ils se sont basés aussi sur les crèmes Nivea, sur la gamme Neutrogena, et donc après il y avait quelques déodorants, et après il y avait donc les produits, tout ce qui est dentifrice, et il y avait donc la promo sur les brosses à dents de chez L'Oréal, qui je pense je regrette, je n'ai pas acheté et que j'irai peut-être acheter par la suite. Donc le premier produit que j'ai acheté, et ça je ne le connais pas, mais quand je l'ai senti ce matin, il sentait super bon. C'est le Timothée, c'est zéro paraben, sans sulfate, sans colorant, et surtout parce qu'il était à l'huile d'argan, voilà, et d'amande. Et surtout c'est quand je l'ai ouvert et que je l'ai sniffé ce matin, il sent super bon. Et il y a de l'huile de jasmin à l'intérieur, et je pense que c'est l'huile de jasmin qui fait son odeur aussi parfumée, on dirait pratiquement un parfum. Je vous jure, il sent trop trop bon. Si vous le retrouvez dans votre Leclerc, n'hésitez pas à l'acheter, parce que l'odeur est une tuerie. À voir ce que ça donne comme résultat. C'est pour cheveux secs et cheveux ternes. Voilà, donc de toute façon vous aurez mon opinion dans les produits terminés. Qu'est-ce que j'ai pris? Et là, comment vous dire que quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Tous les tarifs seront en bas de l'écran. J'ai pris ce gros lot de fa. L'année dernière, je l'avais pris. J'avais pris par l'eau de 2. J'avais pris cette odeur. Elle est juste phénoménale. Elle sent super bon. Par contre, c'est pas des gels douche qui tiennent sur la peau comme ceux de chez Caudalie, ceux de chez Nuxe ou d'autres. Mais voilà, ils sentent super bon et j'ai bien aimé ce produit là donc c'est pour ça que quand je l'ai retrouvé x5 je crois, 2 et de 4, non x6, comment vous dire qu'au prix où je les ai payés, j'en ai pour un moment, surtout que c'est des contenants de 250 ml. Il y avait d'autres parfums, moi je l'ai pris au beurre de cacao et à l'huile de coco, voilà, parce que ça c'est mon odeur préférée. C'est tout ce que j'ai pris en shampoing, en gel douche. Et après, dans la gamme Neutrogena, j'étais super contente. Donc, j'ai pris cette lotion. Voilà, parce que je recommence à avoir quelques petits boutons parce que j'ai changé ma routine soin du soir. Et je commence à avoir quelques petits boutons qui sont en train de sortir. Et moi, j'applique ça sur mon coton. Je viens juste donc tamponner un petit peu la zone où j'ai des boutons avec ce produit. Et je n'ai plus de boutons, c'est véridique. Donc ça, ça coûte la peau des fesses quand il n'y a pas les promos beauté de chez Leclerc. Et là, je ne l'ai vraiment pas payé cher. Donc c'est le Neutrogena, le Visible Clear Lotion Désincrustance Point Noir. Désincruste les pores, élimine et prévient la progression des points noirs et boutons. Voilà, développé avec nos dermatologues. Moi, franchement, celui-ci, il me fait super du bien. Voilà, je l'applique matin et soir. Et j'ai tous les boutons qui sentent. Et ensuite j'ai pris trois nouveautés au niveau make-up. Le premier c'est celui-ci, c'est un pinceau
pour fond de teint, mais la spécialité qu'il a, c'est qu'il est rotatif. Et ça, j'avais vraiment envie de tester. Vous savez que moi, je mets mon fond de teint avec mes chouchous que j'adore, mes Beauty Blender, mais j'en consomme énormément puisque je les lave tous les jours. Voilà. Et comme je les lave tous les jours, étant donné que j'ai des ongles, eh bien, je les casse assez vite et ils ne font pas long feu. Et je me suis dit, ben, t'avais pas de pinceau à fond de teint, ben, on va tester celui-ci parce que celui-ci me disait beaucoup sur le catalogue, il n'était pas donné, donc je suis très contente qu'il a resté beaucoup. Ben, à ce prix là voilà, peut-être que les gens n'osent pas mettre ce prix là dans un pinceau. On va voir si ben, le résultat est plutôt bien. Donc résultat professionnel, teint parfait unifié, application intuitive sans effort, poils ultra doux et vitesse contrôlée. Voilà. Et en plus ça, donc j'ai cherché des piles ce matin, mais les piles sont incluses dedans. Voilà. Et c'est de la marque Babyliss. Donc ça, bien sûr, on le retrouvera très prochainement en crash test. Je tournerai ma vidéo la semaine prochaine. Donc ça, vous l'aurez très prochainement en vidéo. Ensuite, j'ai pris le fond de teint. Et là, c'est un fond de teint de chez Reblon. Vous aviez la marque Bourgeois qui est très bien, je vous le conseille. Il n'est pas très couvrant, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais il est très joli. Et je pense que la semaine prochaine, je m'en prendrai un, comme ça je l'aurai. Mais là, j'avais envie de tester le Reblon. Voilà, donc tout simplement parce que là, vous avez une espèce de mousse ici. Voilà, et j'étais très curieuse. Et moi, vous savez que les produits un peu what the fuck, les produits chelous, j'aime bien les tester. Donc, c'est la marque Reblon. Et ils nous disent donc fondation, fond de teint. En plus, il fait base de maquillage. Je ne sais pas s'il a une grosse couvrance. Par contre, vous n'aviez que trois teintes. Le beige sable, un peu plus foncé. Et pour les peaux, très foncé. Et le dernier produit, c'est pareil, celui-ci, ça fait un moment que je l'avais relooké, mais il était trop cher. Et là, lors des promos Beauté de Claire, il était beaucoup moins cher. C'est le dernier mascara de chez L'Oréal. Alors, vous savez mon amour pour le L'Oréal Paradise Estactic, je crois, que j'aime beaucoup. Donc, c'est celui que je porte pratiquement tout le temps avec le Marc Jacobs. Et celui-ci, apparemment, est aussi bien. Et il a la particularité, où que le capuchon se... clips, et vous pouvez mettre donc votre mascara plus facilement tel qu'un professionnel. Donc celui-ci, c'est le Unlimited Mascara de chez L'Oréal. Donc ça, c'est pareil, vous retrouverez ces trois produits en crash test très prochainement. On passe chez Lidl, et là je n'ai que trois produits à vous présenter. Donc un produit chouchou pour tous ceux qui peut-être vont arriver sur ma chaîne, qui sont peut-être nouveaux ou nouvelles. Si vous avez des lunettes, ces nettoyants sont très bien. Voilà, on les retrouve en grande surface, peut-être marque repère. Je ne sais plus les tarifs, mais il me semble qu'ils sont un peu plus chers. Chez Lidl, ils sont très bien. La marque W5 est très bien parce que j'ai un produit lave-vaisselle aussi que mon mari m'a acheté. Le bidon est tout bleu, j'allais vous mettre une photo si je la trouve ici. Il est très bien, il mousse super bien. Et voilà, ils sont un peu moins chers. Et ça, c'est mes chouchous. D'ailleurs, si mes parents passent par là et je sais qu'ils regardent mes vidéos, c'est grâce à ma maman qui me l'a fait connaître, et j'en achète que ça. Ils nettoient bien, il y en a quand même 54, voilà, et je crois qu'ils coûtent 0,99 centimes. Donc ça, c'est mes chouchous, je les prends tout le temps. Donc pour tous ceux qui ont des lunettes, mais sachez que Lidl font cette marque là qui sont très bien. Vous avez des lingettes, vous avez des liquides vaisselle, vous avez plein d'autres produits. Donc pour l'instant, moi, ce produit et le liquide vaisselle que je suis en train de tester depuis peu est très bien. Et ensuite, donc, on retrouve en ce moment deux gammes que propose Lidl au niveau des soins, crème de jour, crème de nuit, sérum. Et j'avais vraiment envie de vous en parler. Pour le premier, ce n'est pas une nouveauté, c'est un produit qui sort à chaque fois, et lorsqu'il sort, il est complètement dévalisé. Voilà, et moi, je l'ai connu grâce à deux youtubeuses. Donc la première, c'est Maman Mandine, je crois que ça se dit comme ça. J'essaierai de trouver sa photo et je vous montrerai sa photo ici. Et ensuite, je pense que vous la connaissez, c'est Tu regrettes ta coupe de Playmobil, pareil, je vous montrerai sa photo ici, qui elle, par contre, a été dégoûtée puisque tu n'as pas pu retrouver ce produit qu'elle aime beaucoup, puisque ce produit apparemment est un dupe d'une grande marque. Je ne saurais vous dire laquelle, mais ces deux youtubeuses en sont fans, et je me suis dit, le jour où tu le retrouveras, tu le testeras. Donc c'est la gamme Cellular Beauty. Moi, je n'ai pris que le sérum.
Pourquoi? Parce que en crème de jour, j'ai la L'Oréal que je dois terminer. J'en ai d'autres à tester encore. Et vous avez la crème de nuit, vous avez donc le sérum et vous avez donc le contour des yeux. Je n'ai pas pris le contour des yeux aussi parce que j'en ai trois à tester et ça sert à rien que j'en ai. D'ailleurs, j'en ai une de chez Sienne aussi qui était une gamme qu'on retrouvait, que je vous montrerai juste après. Si jamais vous la retrouvez, ben, vous pourrez l'acheter et je vous mettrai le tarif aussi de cette crème. Donc ça fait une semaine que je la teste, elle sent super bon. Et au niveau des effets, ben voilà, sans plus. Moi, je trouve sans plus quoi. On nous dit d'appliquer le matin et le soir sur le cou et le décolleté. Elle pénètre très rapidement. Voilà, par contre, ça c'est une vérité. Parce que moi, j'ai déjà testé des crèmes chez Lidl et j'en étais pas trop satisfaite parce que ça faisait quelque chose de gras. Elle pénétrait pas dans la peau. Voilà, je vois pas trop d'effets maintenant en une semaine. Il faut attendre quand même 15 jours, 3 semaines pour vraiment tester un produit. Voilà, c'est juste un sérum qu'on vient appliquer après sa crème et avant de se maquiller. Voilà, donc ça, voilà, pour l'instant, elle sent super bon. Et le deuxième produit que je n'ai pas testé parce que je termine une crème de nuit et voilà, j'en avais plus. Donc j'ai pris la nouvelle gamme et celle-ci, c'est la gamme Diamond Glow. Voilà, et celle-ci, vous n'aurez pas de photo parce que j'ai cherché sur internet et je n'ai pas trouvé de photo de cette gamme-là. Voilà, et moi, je n'ai pris que la crème de nuit. Vous avez la crème de jour qui est en couleur dorée, voilà, et vous avez le petit diamant aussi comme ceci. Et elle fait beaucoup penser à une grande marque qui est le Glam Glow, voilà. Et vous avez aussi des espèces de gouttes qu'on vient mettre aussi sur le visage. Et vous avez donc aussi l'anti-cerne qui est dans un petit pot. Je ne l'ouvrirai pas et je ne pourrai pas vous dire l'odeur, mais par contre lorsque je la testerai, j'hésiterai pas à vous en parler. Voilà, donc le pot se compose comme ceci. Voilà, très très joli, comme un diamant en fait. Voilà, donc le pot est comme ceci. Vous avez un contenant de 50 ml, voilà. Et je ne veux pas l'ouvrir parce que je ne sais même pas s'il y a un opercule ou pas. Donc je ne veux pas l'ouvrir. Donc ça se compose comme ceci. Voilà. Et ça, c'est la nouvelle gamme que Lidl a sortie. Et j'ai vu qu'il y a une nouvelle gamme qui va sortir. Ce sont des gels nettoyants à base de gel. Voilà. Donc moi, j'y suis allée ce matin, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Snap. Voilà. Parce que si je les retrouve, bien sûr que je vous les montrerai. Et ensuite, l'autre gamme qui est très très bien, c'est celle-ci. C'est la gamme Orchidée Blanche. Moi, j'avais acheté donc le contour des yeux uniquement. Et ça, c'est celle que j'avais retrouvée l'année dernière. Mais pareil, elle est fermée. Là, je suis en train de terminer la crème de relaxine. Et donc, je ne vais pas tarder à la tester. Vous voyez, les contenants étaient très très jolis aussi. Donc, c'est des petits contenants comme ceci. Voilà, donc sait-on jamais si vous pourrez les retrouver chez vous des fois dans certains Lidl. Voilà, j'avais offert une crème, deux crèmes à une personne et elles disent que l'odeur est sublime. Mais moi, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc ça, si vous le retrouvez, ben voilà, pareil, apparemment, ce sont des bons produits. Et pour finir, on va passer à Amazon, voilà. Pour tous ceux et celles qui vont me suivre donc sur ma deuxième chaîne, puisque j'ai créé une deuxième chaîne qui sera uniquement dédiée au vlog. D'ailleurs, je suis en train de tourner une vidéo et pour tous ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, je me répète, sur Snap, vous devez savoir que je suis en train de changer tout mon mobilier au niveau des chambres. Alors, comment vous dire que j'ai commencé à vous filmer un petit peu la première partie du avant, mais comment te dire que vous allez voir aussi l'après de la chambre à Laura qui est pratiquement terminée. Il n'y a plus qu'à mettre une tringle, des rideaux, mais comment vous dire que vous verrez que nous campons, parce que bien sûr vous verrez le pourquoi et le comment si vous me suivez sur ma chaîne de vlog. Donc pour l'instant, elle vient juste d'être créée, vous avez juste l'intro. Les vidéos vont arriver. Sinon, sur Amazon, j'ai acheté donc 4 produits pour le lit et un produit pour les ongles. Donc, vu qu'on change notre lit, on a acheté donc sur Amazon
draps, des housses de couette chez Amazon et ils sont plutôt bien. Franchement, je vous mettrai le prix des draps housses. Ils sont vraiment de bonne qualité. Moi, j'ai toujours acheté des draps housses chez Leclerc, Carrefour. De temps en temps, Jiffy, la farfouille. C'est la première fois que je commande des draps chez Amazon et franchement, on voit que la qualité est quand même meilleure. Voilà. Et donc là, voilà, on a écrit Amazon, il y a écrit Amazon Basique. Donc j'en ai acheté deux, donc un gris comme ceci et un rouge qui est déjà sur le lit parce que nous campons. J'ai acheté une parure de couette. Voilà. Donc là, on est un peu déçus parce que la couleur, c'est pas celle qu'on avait commandée. Voilà, ils se sont gourés, mais bon, c'est pas grave. Donc on a commandé cette parure-là. Donc elle est toute neuve puisque je n'ai pas mon lit, il faut que je le lave. Et elle est comme ceci. Donc il y a des effets de panthère, des effets panthère comme ceci. Et je sais pas du tout la qualité, voilà, donc ça, ben, vous les verrez sur mon vlog le jour où la vidéo sortira, si vous voulez voir la qualité, parce que pour l'instant, là, c'est fermé. Et ensuite, on a commandé donc une couette, et ça valait le coup, je crois qu'on l'a payé 33 € et elles sont vraiment de bonne qualité. La couette, je ne pourrais pas vous la montrer, je vais juste vous montrer les deux, du moins un des coussins. C'est livré avec une couette et deux coussins. Donc, voilà. Et là, on a donc le petit coussin comme ceci, voilà, et les coussins, il est comme ceci. Celui que je me suis acheté sur Amazon, c'est un produit Nail Art. Et on retrouve en l'occurrence sur Amazon les produits de la marque NDED que j'aime beaucoup. Et là, je n'ai commandé que un produit que j'ai reçu dans une petite enveloppe. Et j'ai commandé donc le Kleiner, tout simplement NDED, comme ceci. C'est un petit contenant, par contre sur la photo je l'ai vu beaucoup plus grand. Mais il est tout petit, c'est qu'un 100 ml. Je n'avais plus de Kleiner, j'avais celui, le dégraissant, hein, c'est un dégraissant. Plutôt de chez la marque Angle 24 qui était très très bien et le flacon est beaucoup plus gros, voilà. Et là je pense qu'il est un peu plus cher, je me suis peut-être fait un peu avoir mais j'en avais plus. Et par contre j'ai reçu les 4 produits que je vous ai montrés, du moins les 3 produits que je vous ai montrés très rapidement puisqu'on l'a commandé 2 jours après. J'avais mes draps avant mon lit, pour vous dire que pour le coup Amazon livre très très vite et j'en suis vraiment très très contente. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que les produits que je vous ai présentés aujourd'hui eh bien vous intéresseront. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à dire si ce produit vous l'avez trouvé, vous l'avez testé, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir et moi j'adore vous lire. Et sachez que tous vos commentaires sont lus, que je réponds peut-être pas à tout le monde, mais que tous les commentaires, je les lis. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager, n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces vers le haut parce que ça motive énormément. Et puis, eh bien, n'hésite pas, toi, si tu es derrière ton écran et que tu es peut-être nouveau et nouvelle et que tu t'es peut-être pas encore abonné, eh bien, c'est juste ici, voilà. Tu peux cliquer directement sur la petite icône juste en bas ou en fin de vidéo, j'ai changé ma fin de vidéo. Vous avez donc ma petite image et il vous suffira de cliquer sur le petit rond où il y a mon visage et vous pourrez directement vous abonner. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et puis bien sûr, bien évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !